Ouais, messieurs, dames, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va tester un petit peu les Ranked. En équipe, du coup, en DP. Puisque Ranked solo, bah, j'en ai déjà fait quelques-unes. Je crois que je suis C2 pour le moment. Bon, on semble bien parti pour passer pas B5. Et puis, si on a le temps, on fera des petits tournois viewer. Et non, il n'y aura pas que du Gogeta, parce que c'est simple, les tournois viewer, ça sera en tournoi Yamcha, bien sûr. Où tous les persos sont aléatoires, pour justement éviter ce genre de choses. Si du moins il y a des gens, parce que ça se trouve, voilà, il n'y aura personne pour le tournoi viewer, on ne sait pas. On verra, on va voir. Mais bonjour à tous en ce dimanche après-midi, c'est super, nous sommes le 3 janvier 2027, nous sommes dans le Turfu. Merci Mordekaï pour le 8e mois. Non, pour le 3e mois, pardon. Mordekaï, 8 pour le 3e mois. Merci beaucoup. Donc c'est ça, nous sommes D4 en combat d'épée et nous sommes C3, pardon, en combat solo. Sachant que les combats d'épée sont apparemment plus... Alors je sais pas pourquoi il y a écrit taux de victoire 1,1% et là 0%. T'es gentil, j'ai quand même fait quelques wins. Le jeu, t'es pas très gentil avec moi là. Et du coup, ouais, c'est un peu plus équilibré vu qu'il n'y a pas du Gogeta 4 contre Kid Goku, par exemple. Vu qu'en fait, Gogeta 4 prend déjà 10 de DP. Et bah forcément, si tu prends Gogeta 4, tu pourras pas prendre un autre perso ultra fumé. Alors que l'autre en face, il pourra prendre 3 persos moyens. Voilà, allez. Langue, sans préférence bien sûr, même si on espère toujours retomber sur Super Kaka du 54. Le bien nommé. Ma petite game de chauffe. Donc en fait, j'ai fait deux matchs hein, en DP. Deux matchs que j'ai gagnés. Ça m'a permis de passer de D5 à D4, incroyable. Un niveau de fou furieux, bien sûr. Il y aura d'autres tournois viewers, Amine, t'inquiète. Je pense qu'il y en aura d'autres. Bah, va falloir s'échauffer, non? Oh là 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 là. Ah ouais, c'est un coup comme ça? Ouais, c'est un coup comme ça. Ok. Bien! Moi, je pense que c'est pour demain, le tournoi Garfield Kart Furious Racing. Je pense que c'est pour demain. Alors. Ah! Alors, Sebiman, attention. Apparemment, c'est assez dangereux, cette merde. Les dégâts qu'ils font sur leur attaque ultime, c'est assez énervé. Tu es extrêmement beau gosse, je te suis depuis longtemps et ton pénis doit être aussi grand que la tour Eiffel. Ouais. À peu près, ouais. Petit coquin. Il va essayer de faire son truc de merde là. Ah, il va essayer de faire son attaque du cul. Comment il arrive à faire ça, ce petit coquin là? Ouais, il essaye de faire son attaque ultime pour se... Pour faire son attaque ultime du cul, là. Ouais, je te laisserai pas faire ton attaque, frère. Non, non, je te laisserai pas faire ton attaque ultime. Je sais très bien ce que t'essayes de faire, petit coquin. Ah, mais il a 3 Saibiman! Ah, le bâtard! Ah, d'accord. Et il essaie de la faire, t'as vu? Petit coquin là.
Je sais très bien ce que t'essayes de faire, c'est un petit bâtard, hein. Ah. Oh le bâtard. Mais c'est quoi ce perso? Ouais voilà c'est ça. Ça y est ça commence, il va faire ses coups de merde. Ça joue méta dis donc hein. Il en a combien? Il essaie de me le faire encore, hein, le coquin. Ah mais il a l'attaque, il a l'image rémanente je pense, c'est pour ça qu'il esquive les coups ce coquin. Ah tu m'auras pas, je passe derrière. Ah merde. C'est ma seule chance. Il sait jouer, hein. Il sait un minimum jouer, ce coquin. Ouais. Mais il en a combien, là, des Saibiman? Il est horrible, ce... C'est horrible. Ah, et Goku Ultra Instinct, nice. Oh, je me suis tellement mis dans la merde, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Incroyable! Ah, fallait appuyer sur carré? Oh, je savais pas. Ah bah lui non plus visiblement. Putain, il est tellement rapide. Dans la merde. Ah, il y a la musique de l'anime, c'est pour ça. Mais lui il est pas dé, hein. J'ai pas vu son niveau au début, mais il est pas dé, lui, hein. La musique de l'Ultra Instinct, je suis hypé. Même si c'est pas bon, moi. Encore? Oh non. Oh c'est chaud. Oh je suis dans la merde, il me touche. Oh il me touche. S'il gagne c'est dégueulasse, regardez sa vie. Merci Demost pour le prime, j'avais pas vu. Ouf les dégâts. Oh les dégâts frère, what the fuck. Encore? Mais non. Allez casse-toi de là.
Acta compo craqué. Ah, j'aurais bien aimé jouer avec les joueurs PC, mais malheureusement, les devs en ont décidé autrement. C'est quoi cette compo, là? Il a fait des Saibiman et tout, et après, il me sort un Goku Ultra Instinct. Qu'est-ce que c'est que ça, au secours? Bon, on aura gagné notre première enquête, let's go! Par contre, j'ai réussi à caler aucune super attaque. Le mode sparking est vraiment vénère, hein. Attention. Ah oui, non, là, je peux le faire que de face, tu vois. Ah, là, je peux le faire. Sur PC, il y a déjà plein de tricheurs, c'est une dinguerie. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait des tricheurs. Mais comment ça se passe, la triche, du coup? Les mecs, ils font quoi? Ils ont plus de vie, plus de dégâts. Ils te dédéos. Parce que je crois que moi, j'en ai jamais croisé encore. Mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir de race, déjà, pour tricher à un jeu. Encore moins sur du Dragon Ball. Parce que si tu joues à Sparking Zero, c'est que t'aimes un minimum la série, logiquement, généralement. Et c'est absolument pas les valeurs de la série de tricher, sauf si tu t'appelles Freezer et tout, évidemment. Ouais, j'ai essayé hein, le haut plus carré, mais c'est compliqué d'avoir le timing et de le caler. Mais effectivement, il a raison, si vous faites spammer par un Gogeta 4 en mode Sparking, vous spammez haut plus carré. Bien sûr. Non mais ça n'a aucun intérêt de cheater sur ce jeu, y a pas de compète, y'a rien, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Ouais, j'ai vu ça, Satan, on se foutait de sa gueule. Mais j'ai vu la fameuse vidéo Twitter là qui tournait et il y avait un Satan qui spammait un gars et le gars arrivait pas à se relever quoi. J'ai vu ça, c'était très drôle à voir d'ailleurs. C'est marrant parce que il y a des persos fumés, on s'y attendait pas, hein. Genre il y a Jirobe et Satan. Merci T-Box pour le Prime. C'est assez drôle quand même hein, de savoir qu'il y a Jirobe et Satan sont les fumés. Allez. Un Goku Super Saiyan. Bon, il va sûrement fusionner avec Vegeta. Pour nous sortir son Gogeta. À moins que ce soit un joueur stylé. Ah, vu le pseudo, je pense pas, non. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Attends, il est AFK? On va attendre un petit peu de voir s'il arrive. Si ça se trouve, il est parti aux chiottes. On va la jouer sport. On va attendre qu'il soit là un petit peu. Sinon, je le défonce. Allez, frérot. Reviens. Allez, c'est fini de faire caca, là. On t'attend. Je vais enchaîner, hein. Bon. Au moins on va pouvoir s'entraîner. Hop, hop. On va dire qu'on est en mode entraînement. Tiens, c'est marrant parce qu'il a activé la garde automatique, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il fait C'est marrant parce qu'il garde mieux du coup que certains de ses compères. Genre là, tu vois, je vais passer dans son dos, il va garder. Tu vois, il garde. Alors qu'en vrai, un joueur qui jouerait sans être AFK, il se ferait éclater, quoi. Du coup, hop, hein, hop. On va essayer d'enchaîner vite, du coup, hein. J'aurais attendu un petit peu. Mais il semble pas décidé à venir. Je pense que c'est un mec. Je pense que le frérot il a oublié qu'il était en train de jouer. Mais pourquoi il a changé comme ça? Là c'est lui qui a changé, j'ai pas tué Goku hein.
Quelqu'un connaît cette technique de rien faire là comme ça? C'est bizarre, non? Ça se trouve, il fait comme moi sur Smash. Sur Smash Bros. Ball, je me rappelle, je faisais genre je joue pas. Et en fait, je me réveillais et je les enculais. Voir si ça passe là avec sa garde. Ah non, même là, même s'il a la garde automatique, ça passe. Donc faut vraiment bien gérer le timing du truc quoi. Désolé frérot, mais je suis en stream, hein, faut que j'enchaîne. Faut offrir du spectacle à un moment. Tiens bah on va pouvoir caler la... en online, la seule fois on va réussir à caler cette attaque, regardez. Boum! Il est pétrifié! Oui alors effectivement c'est pas un bug, c'est juste qu'il a... Non mais en plus tu pourrais tellement te faire de la... comment dire... des points gratos là, mais vas-y. On va pas faire ça quand même. Tiens bah on va voir. Il garde automatiquement. Est-ce que cette attaque est parable? J'ai toujours été curieux. Est-ce que si tu te protèges... Ouais donc elle est parable hein, cette attaque. Officiellement elle est parable. Ou par contre, il y a du lag. Hein. Ouh, j'ai un input lag de fou là. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai un tel input lag. C'était pas comme ça au début du combat. Hein. Tous mes moves sont tellement retardés là. Il me hack. Au secours. Ah, alors attends, ça c'est parable ou pas? Je pense pas que ce soit parable, ça. Je pense pas que ce soit parable, cette merde. Parce qu'il a la garde automatique. Et là, bah, malgré tout, j'ai pu caler cette attaque. Je me demande si c'est parable ou pas, du coup, ça. J'ai un doute. Comment je fais pour spawn au-dessus de lui pendant un rush enchaîné? Pendant un rush enchaîné, comment je fais pour spawn au-dessus de lui? Bah j'enchaîne triangle, si c'est bien ce dont tu me parles. Ah, au-dessus de lui et pour le mettre vers le bas avec rond. Si tu me parles de ce que je fais à la fin d'un combo, c'est rond. Oh le bâtard! Ça, ouais, c'est rond du coup. Hein. Comment il a fait ça lui? Ok, un de moins, il a un perso en moins, c'est bien. Oh!
Oh, bien joué ça. Super Saiyan, ah ouais. Putain, à chaque fois, hein, on finit par se faire avoir à chaque fois. À chaque fois, on finit par se faire avoir sur les TP. Hein. On a le timing, mais à chaque fois, c'est nous qui perdons, bordel. Et ben enfin, ça passe, bordel. Il était temps. Oh, ça passe, let's go! Oh, l'esquive, tu l'as vu! Tu l'esquives! Oh là 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 là, tu l'as vu la petite esquive? Oh là 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 là! Je passe derrière normalement. Oh là 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 là! Il y a eu du petit move là! Ouais, je trouve aussi que c'est le digne héritier de Tenkaichi 3, nous sommes d'accord. Bien, nous passons D3, incroyable. Ah dommage mec, on avait le même level, on aurait pu progresser là. En plus il avait pas de perso fumé. Ça aurait été sympa, c'est toujours dommage quand tu tombes sur un bon joueur qui décline. Ah! Mon avis sur l'épisode de Daima. Bon, j'ai bien aimé, c'était sympa. Il s'est pas passé grand chose, mais normal, ça. Ça introduit l'intrigue. Je suis pressé de voir la suite. Puis non, j'étais sympa, hein, voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas passé grand chose. Je suis pressé de voir le prochain épisode, puisque Goku sera dans le royaume des démons. Par contre, on apprend quand même des dingueries, hein. Ah d'accord, les Kaioshin et les Namek qui viennent du royaume des démons. Ah d'accord. D'accord, ok, très bien. Mais ça c'est trop dur à faire. Tac, tac, tac. Ah tu vois, j'arrive même pas à le faire. Ah non, il peut pas, il est trop gros. J'arrive à le faire sous les autres personnages, mais... Merci Papa Ours ma gueule pour le 23ème mois. Ouais, je suis d'accord, Fracassus. De toute façon, c'était le but de Toriyama, hein, mais effectivement, dans Dema, il y a... Il y a une vibe de l'ancien Dragon Ball, un peu plus axé aventure humoristique. Clairement, hein, c'est ce que voulait Toriyama, donc on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Bon. De Ranked de win. Enfin, la première ne comptait pas. Ah ouais, C2. Ah, je suis D3, tu me mets contre un C2. Ah ouais. C'est même pas mon level en Ranked solo. Ah ouais. J'ai quand même vu des mecs passer de C'est incroyable épisode 1 à C'est à chier épisode 2, c'était sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Yeah!
Oh, je suis deg, c'est pas ce que je voulais faire. C'est vrai que Trunks a aussi cette technique de pouvoir se mettre en mode sparking. Je trouve ça ultra fort, moi, ces compétences-là. Ouais, logique. Oh, les dégâts. Oh. Retourne-toi. Ouh, il a bien joué là. Oh le bâtard. Ah là, cette fois ça passe là. Au bout d'un moment, merde hein. Je vais défoncer mon petit-fils. Bien joué ça. Oh putain, j'ai eu chaud. Il est trop chiant, bordel! Encore? Ah! Tortue géniale! What? Oh putain, il l'a pas fait, putain, je déteste quand il fait pas le mode sparking. Quelle horreur. Ah bah je l'ai quand même. Bon, c'était pas beau à voir du coup, mais bon, vous avez l'idée du combo quoi. Va en haut, va voir les étoiles. Vers la lune. Ah bah j'ai même pas le temps de faire mon... Ah mais il est pas mort encore ce con. Bolos. Je me suis gouré de personnages, hein, pour info, je voulais pas prendre couleur. Ah.
Ah, le bâtard. Par contre, lui, il fait pas les combos, hein. C'est spammer de carré, quoi. Ah, j'ai eu de la chance, le lag a joué en ma faveur, là. Je vais manger une petite pomme. Mais bien sûr. Dis-moi que ça passe, c'est frauduleux. C'est passé, Nevar. Ça passe, let's go! L'ultime de Thalès est tellement stylé en plus. Mange le sol, mon con! Il est où? Il est là. Ouh, ça joue mal, hein. Ouh. Ça, c'est pas du beau jeu qu'on a vu, là. Ouh. Ouh, ça, c'est pas du beau jeu hein, qu'on a vu, là. On a win sur le timer, let's go. Pourquoi ça ressemble pas en face, pas assez de différence de puissance, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est vrai qu'il aurait pu se transformer. Oui, le timer m'a un peu surpris aussi. Après, ce serait bien qu'on nous mette contre des dés là. Parce que dès le début, se taper des C, bon. C'est notre level, hein, mais bon. Après, l'avantage, c'est que je pense que comme il a au moins une division de plus que moi. Au moins on est assuré de pas perdre de points et d'en gagner quoi. Il aime bien les Kikoa hein. Ça passe! Il n'aura pas le temps de faire son ultime, let's go! Oh le bâtard! C'est... D'accord. Par contre, fous pas de ma gueule. Je savais que tu ferais ça. Ah, bien joué. Je pense que je me fais toucher. Ouais. Oh, c'est stylé. J'avais jamais vu l'animation.
Ouais, j'ai compris comment tu joues. En fait, il maîtrise pas les chops, je pense. Ouais, il fait tout le temps les combos carrés en plus. Ouais, tu vois, il... Ouais, non, non, tu fous pas de ma gueule. Quoi, ça passe? C'est imparable? What? C'est bien le mode sparking, hein. C'est bien, hein. Je sais pas où il est. Je me demande si ça vise automatiquement. Ah non, ça vise pas automatiquement. Voilà, il va arriver, puis il va taper au corps à corps. Bon. Voilà. What? Ah, il aime vraiment bien le combo carré, lui, hein. Oh, je l'ai démonté. Et à l'avenir, corps à corps, voilà. Ah, ça passe pas, frère. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas le même combo, Thalès et lui. Ah non, 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 je me protège, je suis pas d'accord. Ah, ça c'est pas... Ouais, ça c'est pas parable, je crois. Ouh, je suis fait baiser la gueule. What? Ça se quoi, là? Ouh, c'est passé, mec. Bien joué. Et c'est quoi ce qu'il a là? Il esquive les coups. Il esquive les coups automatiquement. Il a le truc rémanent lui aussi? Petit coquin. Il joue un peu petit zizi, hein. On va pas se le cacher, hein. Avec ses petits kikoas là. Il y a un autre tortue génial là? Sérieux?
Oh, arrêtez d'encourager le tortue génial, les gars, arrêtez. Il a deux tortues géniales ou alors il l'a rappelé et il la régène. J'ai l'impression qu'il a pris deux tortues géniales différentes. Il l'a rappelé. Ah ouais, mais il la régène de fou, je trouve. Bien, on est des 3, on a cassé la gueule à un C2. Ça veut dire que potentiellement on peut aller jusqu'en B5. Hein. Mais je pense que B5, fondamentalement, c'est pas compliqué de l'atteindre. Je me suis tapé des B2 et tout quand je faisais des tournois, c'était pas dégueu ce que je produisais. Je pense que tu peux difficilement perdre des points en fait avant le B5, si je me trompe pas. Hein. Ah, un Trunks. Putain, encore un C2. Eh, décidément, aucun dé ne fait des ranked en fait. Merci Vitomite pour le Prime. Alors il va sûrement dash derrière moi, faut que j'esquive. Ah, encore un spammer de carré. Ouais, déjà le Super Saiyan. Fais dodo! Alors tu vois, ma super attaque est pas passée là. On l'a tué? On l'a tué, nice. Il pourra pas profiter de son attaque sparking, c'est cool. Je suis pas sûr que ça passe, hein. Oh, je suis tellement dans la merde, frère. Ah, nice, on a raté tous les deux, on est des cons. Ça c'était joli ça. Ah normalement j'esquive un petit peu. Ah cette attaque j'ai du mal hein. Je crois qu'elle est vraiment imparable cette coquine. Les putains de longues en plus l'animation. Ça passe! Ça passe, j'en ai rien à foutre, ça passe! Oh yeah! Ah, du coup, elle me voit pas là. Ah, c'est horrible, hein! Je me suis refait le... Oh putain de merde. Je me suis fait le film là de Thalès, justement hier. Et effectivement ça me faisait rire de voir toutes les techniques du jeu dans le film. Bah le beignet qu'il envoie... Oh non putain non.
Oh non. Eh, c'est parti. Oh, j'ai eu chaud. Eh, c'est parti. Ah, c'est parti. L'attaque imparable de Yajiro B avec son Senzu. Faut que je le démonte avant qu'il fasse son Senzu. Faut que je me grouille. Ah putain, l'attaque imparable de Yajiji. Protéger. Oh, mais il était derrière moi du coup. Oh putain. Je suis derrière normalement. On a bien joué là. Il aime bien les attaques de Chop, hein. Oh, c'était stylé ce finish. Tu t'attendais à ce que je me TP derrière, un petit coquin. Ah, l'attaque imparable, c'est son double gros coup de pied. Je pensais que c'est ce qu'il faisait depuis tout à l'heure. Bon, en tout cas, ça fait quoi? Ça fait 4 matchs, 4 wins d'affilée, c'est bien. Ou 5, je sais plus. Il joue pas dégueu. Par contre, il y a Jirobe, moi je m'en méfie comme de la peste. Hein. De ce que j'ai compris, c'est son Senzu aussi le problème qui le régène de fou. What? C'est pas passé? Ah!
Non, je me protège. Ouais, j'allais dire. Oh, il a bien joué, là. Oh, le bâtard. Bah, il y a beaucoup de joueurs qui prennent les versions enfants des personnages, parce que l'air de rien, ils sont quand même très populaires. Moi, je sais que j'ai un pote, son personnage préféré, c'est vraiment Goten, typiquement. Et moi, j'adore Goku Kid, par exemple. Normalement, si je me protège, c'est fine. Ouais, je me protège, ça passe pas. Ok, un de moins. Trunks, c'est son meilleur perso, je pense. Là, il y a Jirobe et Tortugna qui vont arriver. Ah, dommage, j'ai pas le temps de faire ma... Sympa. Par contre, c'est au corps à corps, ma Fuba, mon frérot. Bien joué. Quoi? Il y a une transformation. Ah, en gros muscle. Ah oui. Oh, ils ont fait ce skin là avec la tête de Jackie Chun. GG. Oh, jamais de la vie ça passe. Ah, t'es gentil. Elle m'a vu. Die! C'est mon arrière-petite-fille, je m'en fous! Petite-fille, pardon. Pas arrière-petite-fille. J'en ai rien à foutre! Deux fois en plus! Je m'en fous! Ah si, c'est son arrière-petite-fille, ouais, ce qui me semblait, ouais. Il me voit pas? J'aime bien faire cette petite variante, généralement ils s'y attendent pas trop les mecs. Donc ça passe pas. Ah bah là je me suis protégé hein. J'étais pas en animation d'attaque en plus je pense. Ouais, il essaye de faire son coup. Je me protège. Ouais. C'est fort Yajirobe frère, hein. C'est très très fort. Hein. Ah si c'est pas grave, ouais, effectivement. Yeah.
Ah putain, fait chier. Allez, ça passe, dis-moi que ça passe. Ah, oh, ça passe pas. Je me protège. Ouh, fou, fou, fou. Ah, j'ai pas le temps de changer de personnage, je suis deg. Oh, je le visais pas. Donc là, moi, je le vois, lui, il me voit pas, donc il y a moyen de le toucher. Ah ouais, ça le touche, hein. Bon, je me protège. Et ouais, mon gars. Et ouais, mon gars, let's go! Ça enchaîne les wins, let's go! Par contre, il y a Jirobe, c'est marrant, mais dans son équipe, il y a Vegeta, Trunks, Tortue Génial, il y a Jirobe. Celui qui me fait le plus flipper, c'est Jirobe. Puis j'avais encore couleur sous la main, là. Nous sommes D1. Ça monte. Il a décliné. Bon, petite série de wins là, ça fait du bien. Après, l'avantage c'est qu'on est déjà habitué à tomber contre des C, donc quand on sera C, ça devrait être cool. Pourquoi Yajirobe est aussi craint? Parce qu'il peut enchaîner au niveau des attaques. Il a une attaque imparable, il a une attaque qui le soigne, et il a une, tout simplement, une attaque où il peut enchaîner. Ah, enfin un dé comme moi, tiens. Bon, après, attention, ça peut être un smurf, hein, on connaît. Est-ce qu'il va me dash derrière? C'est quoi ce bug là? Pourquoi il a tiré vers le bas mon cooler? Oh, c'est passé nice. Ok, il a perdu Goku. Merci Elverdi Gris pour le 21ème mois, merci beaucoup. Oh putain, c'est Végéto ? Merci Polo pour le sub. Je passe derrière normalement. Ou ça mange pas ça. Je pense qu'il y a ma super attaque qui arrive sur lui, donc je vais passer derrière, comme ça il va devoir défendre des deux côtés. Oh, j'ai plus de ki. Oh, j'ai plus de ki, frère. Oh. Oh, c'est horrible. Ouais, tu joues petit zizi là, frérot. Oh,
Oh, ça passe pas. Il a esquivé, putain, le bâtard. Normalement, je passe derrière si tout se passe bien. Encore mieux. Le Vegeto Blue qui part là, ça va faire du bien ça. Oh, je suis dégoûté pour mon couleur là qui se fait enchaîner le cul. Meurs, maître de mon fils. Dans la baraque, je m'en bats les couilles. Oh, ça passe pas quoi? Comment ça passe pas? Ça passait quoi là? Eh oui, lui ça passe évidemment. Mais comment ça c'est pas passé? Pardon? Excusez-moi monsieur l'arbitre, vous foutez de ma gueule. Je pense que ça a tapé le sol. Les ultis au corps à corps sont encore plus bugs que Tenkaichi 3. Je veux bien vous croire, hein, mais au moins on gagne. Hein. Alors Yajirobe aussi, il démarre le combat avec 2 skill points et recharge 2 fois plus vite son ki et ses skill points. Ouais, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, vous avez vu, hein, ils ont annoncé le nerf qui va arriver. Bon, alors là, nos couleurs s'est fait défoncer, mais on avait encore notre troisième perso en rab. Hein. Pour le coup...